con la orquesta juvenil, sinfónica juvenil. Usted no descarta que el presidente Chávez esté aquí. Voici ce que nous répondons à l'appel de l'opposition à protester. Nous demandons aux gens de descendre dans la rue le 10 janvier. Il n'y aura pas d'affrontement. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes très calmes. Les chavistes sont très calmes. Mais ils nous ont offensés et agressés. Le président se trouve dans un état stable par rapport à celui décrit dans le dernier rapport, lors duquel il a été indiqué que le commandant Chavez souffrait d'une insuffisance respiratoire à la suite d'une infection pulmonaire survenue après l'opération. Le traitement est administré de manière continue et rigoureuse et le patient l'assimile. Le gouvernement bolivarien réitère son engagement de maintenir informé le peuple vénézuélien sur la santé du commandant président et l'invite à ignorer les messages de guerre psychologique venus de l'étranger qui visent à troubler la famille vénézuélienne.